L'érosion côtière, elle est très, très présente. Elle est omniprésente, en fait, sur l'ensemble du territoire. Autant les milieux dunaires, comme on voit derrière, que les milieux de grès rouge. Donc, on se fait attaquer à 360 degrés partout autour de l'archipel. Lorsqu'on est en plein milieu du golfe, évidemment, la question de la submersion, la question de l'érosion, le niveau d'eau qui monte, donc amène un phénomène de submersion importante. En effet, on est aux premières lignes, on est en avant de la parade en matière de changement climatique, ça c'est clair. Quand il fait beau une côte, ça a l'air... c'est relax, là, mais pendant une tempête, c'est vraiment stressant. Là. Quand la vague vient jusque dans ta porte-patio ou dans tes fenêtres, qu'il y a de l'eau partout autour, il y en a qui perdent des véhicules, des maisons, etc. Là. Des ouragans, on n'en avait pas vraiment connu depuis les années 80 avant 2019. Là, on a eu Dorian en 2019. On a eu la tempête Fiona également en 2022. Donc, vous voyez que ça se rapproche. Et on a eu l'ouragan Lee qui est passé en 2023 très près des Îles-de-la-Madeleine. Le secteur du chemin des Chalets, ça fait quand même depuis 2011 qu'on savait que c'était une zone submersible. Donc, on a essayé de préparer depuis 2011 les citoyens à volontairement se trouver un plan B, à penser aussi quelle allait être la suite, parce qu'on savait qu'on ne pourrait pas assurer des services municipaux pendant... qu'il allait avoir une fin à ça. Il y a quand même des gens qui ont décidé de rester, puis ça fait qu'à chaque tempête, le chemin des Chalets, bien, c'est dommage, mais tu sais, on va chercher des gens. Il y a un chalet qui part à la mer, il y a un chalet qui, c'est ça, qui est détruit, puis c'est super triste. Là. Je le dis vraiment avec beaucoup d'empathie pour ces gens-là, mais ça nous montre un peu la vulnérabilité du territoire, puis il ne faut pas attendre d'être rendu non plus les deux pieds dans l'eau pour agir. Étant donné l'absence, le réchauffement climatique, les changements climatiques et le réchauffement, cette glace-là est de moins en moins présente. On a commencé par voir des années où il y en avait moins. Ça devenait un peu l'exception, une année où on n'avait pas de glace. Maintenant, l'exception est rendue de l'autre bord. L'exception, c'est quand on en a. Moi, j'ai eu beaucoup d'appels citoyens aussi dans la dernière année, des citoyens préoccupés, des citoyens anxieux. Tu sais, c'est pas évident de perdre sa terre familiale, son patrimoine. Donc, je ressens un peu la tristesse, l'anxiété. Puis, je ressens que les gens se sentent quand même impuissants face à tout ça. Tu sais, notre rôle, c'est de les accompagner du mieux possible. C'est de leur donner le plus d'outils possible, même si tout n'est pas parfait. Mais c'est aussi de les faire réaliser que le climat change, puis que nos îles s'adaptent, puis que ça ne veut pas dire non plus qu'on peut protéger à tout prix. Étant donné que c'est un territoire exigu, évidemment, tout ce qu'on perd, on ne peut pas le récupérer ailleurs. Donc, chaque pouce carré de terrain aux îles de la Madeleine est extrêmement important. Et c'est pour ça que l'enjeu de l'érosion côtière, qui s'accélère depuis les dernières années, est extrêmement important. Préoccupant, prioritaire pour les îles de la Madeleine. À la Bellance, ce qui s'est passé, on appelle ça un trou de suffusion, mais ça s'est greusé par en dessous, puis un jour, la mer va tellement chercher loin que le plafond tombe, puis ça fait un trou. Fait que c'est quand même impressionnant, on se rend là, on arrive, puis il y a comme un trou en plein milieu qui n'est pas une grotte, qui est vraiment un véritable trou. Donc, on a eu ça à la Bellance. C'est sûr que c'est pas la première fois qu'on en avait. On commence à en avoir de plus en plus sur le territoire aussi. Fait que ça aussi, ça montre, un, la fragilité du territoire, mais l'importance aussi, la sécurité des gens. Tu sais, on a beaucoup de touristes, les gens se promènent sur les falaises, nos paysages sont beaux, mais en même temps, ils sont très fragiles. Il faut avoir ça en tête. Là, au moment où on se parle, il y en a deux qui ont été annoncés et réalisés. Et des projets majeurs. Et il y en a deux autres qui sont acceptés et qui sont dans la machine et qu'on prévoit compléter d'ici fin 2027. Un bon exemple, c'était l'ouvrage de la Grave qui a été fini de réaliser en 2021-2022. Et finalement, on a eu Fiona en 2022.
Et si l'ouvrage de protection n'avait pas été terminé à ce moment-là, les dégâts auraient pu être beaucoup plus importants que ce qu'ils ont été en 2022 avec Fiona, finalement, s'il n'y avait pas eu la recharge de plage. On a décidé de mettre de l'avant là, ce projet-là qui était, lui, de 7,4 millions, si je ne me trompe pas, pour venir installer une recharge qui permettrait, un peu comme celle de Cap-Omel, de casser la vague puis de protéger les commerces. Donc, elle était déjà en place au moment de Fiona. Oui, elle a résisté. Les sceptiques ont été confondus parce qu'il faut savoir que c'était le premier gros ouvrage qu'on réalisait de ce type-là aux îles. Est-ce que des infrastructures sont menacées? Ah oui, ne serait-ce que la recharge qu'on a fait devant la falaise de Cap-Omel, le centre-ville, à très court terme, c'était des institutions comme l'hôpital, la mairie, on avait des résidences de personnes âgées, des commerces. Donc, on parle pas dans 10 ou 15 ans, là, on parle déjà depuis les années 2000-2005 que nous, on vit l'érosion de façon accélérée, mais je dirais que c'est certain que ça s'est intensifié dans les 5 dernières années avec les tempêtes là, qui sont de plus en plus présentes. On est venu littéralement recréer une plage, donc une zone tampon entre la mer et la falaise pour freiner l'action des vagues. Ça absorbe mieux l'énergie de la vague. Donc, un enrochement conventionnel qu'on connaît plus, là, les enrochements avec des pierres, bien, ça accentue l'énergie de la vague puis ça la dirige au bout. Fait que c'est un peu un enrochement sans fin. Il va toujours avoir des dommages plus loin, il va toujours falloir le faire plus grand, la plage va baisser. Dans ce type d'ouvrage-là, dans les recharges, ça vient un peu casser l'énergie de la vague. Et les pierres se promènent juste un peu latéralement, puis c'est fait pour que la pente s'adoucisse avec le temps. On commence l'ouvrage avec une pente très abrupte, puis au fil des ans, là, ça prend une pente un peu plus naturelle. Les petites roches qu'on voit, c'est de la pierre importée de la Nouvelle-Écosse. Donc, il a fallu rentrer aux îles 17 barges, contenant, là, je pense que c'est entre 6 et 8 000 tonnes selon la barge, à chaque fois, le décharger, l'amener, le recharger sur le bord. Fait que c'était un ouvrage assez complexe qui demande quand même une réflexion sur vers où on s'en va. Est-ce qu'on va toujours pouvoir apporter nos matériaux? C'est tout ça qu'on veut? Ça a un coût, là, ça coûte énormément cher. Au total, ça a coûté 11,7 millions. Donc, 11,7 millions financés à la fois par la Sécurité publique, par Infrastructure Canada et une part municipale aussi. Fait que ça revient à un gros montant du mètre linéaire. T'sais, c'est pour ça qu'on va encore avoir ce type d'ouvrage-là, mais on peut pas penser qu'on va protéger l'ensemble des îles parce que ça a un coût d'entretien aussi. À la prochaine tempête, c'est nous qui devons assumer comme municipalité aller entretenir, recharger. Fait que ça va juste de façon exponentielle. On n'a pas les moyens. On empierre, on met des ouvrages de protection rigides sur nos côtes parce qu'on a, par exemple, une route. Oui, ça protège nos routes et c'est nécessaire. Parce que maintenant, nos routes, d'une île à l'autre, sont sur des lignes de sable. Nos routes sont sur des dunes, sur des plages, en fait. Pas sur les plages, mais sur les dunes. Donc, on est très vulnérable, en fait, à ces tempêtes-là. Et on doit protéger nos infrastructures parce qu'on veut le transport des gens, le transport des marchandises, les télécommunications, l'électricité, etc., la sécurité. Nettoyer la plage un petit peu, puis je pense qu'il va y avoir une plantation après. L'activité d'aujourd'hui, c'est une activité citoyenne pour la collectivité. C'est plusieurs partenaires qui se sont mis ensemble pour inviter les gens à faire un nettoyage de plage. Et il y aura aussi une plantation d'amophiles. Donc, vraiment des actions pour aider à la qualité de l'environnement, si on veut. La plantation d'amophiles à ligule courte, qui est la plante ici qui pousse naturellement, c'est la plante pionnière des milieux dunaires sur la dune bordière, qu'on appelle ici le foin de dune. C'est-à-dire que cette plante-là, plus elle se fait ensabler par le vent qui transporte le sable, plus elle va pousser. Et plus elle pousse, plus elle accumule du sable.
et tous les systèmes racinaires, les tiges souterraines, les rhizomes, emprisonnent le sable de sorte que quand la vague vient frapper lors des tempêtes, plus il y a de tiges qui retient la dune, plus l'érosion va être lente. C'est-à-dire que c'est elle qui retient les dunes, mais c'est aussi elle qui les forme, qui les fait s'élever. C'est pas de la protection à tout prix. Faut être réaliste, faut être cohérent. Ça se peut qu'il y ait de l'adaptation et de la résilience. Ça implique également que certains endroits peuvent être laissés à la nature là, aussi. Là. Quels sont les endroits qu'on tient à garder absolument, lesquels on peut peut-être s'adapter puis accepter un certain niveau de risque, puis peut-être des endroits où malheureusement on devra faire certains deuils puis laisser tomber la bataille? On veut être de plus en plus en innovation, donc tester des méthodes qui pourraient être reprises à plus grande échelle. Puis, on est aussi dans la prévention. Fait que ça peut être aussi de végétaliser nos côtes, de capter le sable. C'est un peu le travail qu'Attention Fragile fait ici localement. On va venir faire un trou dans le sable. Et on y va comme ça. Puis, il faut dire qu'en creusant ici, même si parfois en surface, ça a l'air sec, c'est toujours frais et humide. Donc, ce qu'on veut le plus possible, c'est garder une côte naturelle. Et par les actions de revégétalisation ou de même de recharge de plage avec du sable, bien là, on fait juste encourager ou accentuer un peu la dynamique qui est déjà naturelle. On dit souvent que la dune bordière, celle qui est vraiment la première qu'on voit là, sur le bord de la plage, c'est le rempart. C'est une forteresse contre l'érosion. En fait, c'est une accumulation de sable. C'est un gros volume de sable, puis qui est plein de racines et de tiges. Donc, tout ça crée une espèce de coussin de sécurité. À la base, on a 85 sites tout autour des îles qui subissent soit de l'érosion, soit de la submersion, soit un peu des deux. C'est certain que ça ne veut pas dire que parce qu'on a 85 sites qu'on surveille, que ça va être 85 interventions qu'on va réaliser. Ces sites-là, on les a regardés, on a fait une grille d'analyse multicritère. On s'est dit, est-ce qu'il y en a qui ont plus, où l'enjeu humain est plus important, l'enjeu environnemental, puis essayer de se déterminer quelques priorités sans dire qu'elles sont exhaustives, parce qu'on sait que demain matin, il peut y avoir une autre tempête, puis tout ça peut changer, mais d'avoir un certain plan de match. On a retenu une trentaine de sites là, jusqu'à présent qu'on va surveiller, je dirais, un peu plus attentivement. Il faut qu'on considère plus la submersion qu'on aurait pensé peut-être il y a quelques années. Donc, c'est venu changer la conscience, je pense. C'est venu marquer l'imaginaire des gens. On a vu l'eau envahir. Mais en termes de préparation, je ne sais pas si on est encore bien outillé aussi pour se préparer ou s'adapter. À la municipalité, je dois dire, puis c'est pas juste Fiona, là, c'est quand même les tempêtes d'avant, Dorian, Ida, Teddy, on peut en nommer plein, qui font en sorte, je pense, qu'on a une meilleure expérience comme organisation municipale pour intervenir. Le gouvernement est là pour la réalisation des projets, pour la création des projets, mais après ça, un projet de recharge, le nom le dit, il faut la recharger, cette sable-là. Et l'entretien des infrastructures, des ouvrages de protection est à la charge des municipalités et des communautés. Ça ne peut pas fonctionner comme ça éternellement. Là. Les communautés comme les îles de la Madeleine ne pourront pas assumer des recharges à répétition d'ouvrages aussi importants et qui vont prendre de l'ampleur au fil des ans. Mais en même temps, les communautés côtières, avec l'aide des gouvernements en place, bien de se protéger, de s'adapter et de montrer une certaine résilience. Oui, ça prend de la résilience.
c'est certain que tous ces sites-là ne pourront pas être protégés et ne doivent pas non plus être protégés à tout prix. Parce qu'on doit garder des côtes qui sont naturelles pour équilibrer un peu toute cette dynamique-là. Ça a toujours eu lieu, l'érosion. Ça, c'est un phénomène qui existe et qui existera toujours. Dans certains endroits, on s'est installé, peut-être trop proche de la côte. Maintenant, c'est dur de revenir en arrière. Les coûts et les besoins sont trop immenses. Il va vraiment falloir choisir. Puis c'est là où ça va peut-être nécessiter une résilience puis une adaptation un peu plus accrue que ce qu'on a eu dans le passé. Mais je pense que la nature du Madelino est un être résilient, je pense, à la base. Ça fait partie de la réalité, de l'identité des Madelino et des Madeliniennes maintenant que de se préoccuper de l'érosion côtière. Les îles sont un canari dans la mine. Je pense sont un indicateur de ce qui peut s'en venir pour bien d'autres communautés côtières. Je nous vois vraiment comme un laboratoire, tu sais, d'utiliser cette insularité-là puis le fait qu'on est attaqué de partout pour tester des méthodes justement innovantes, durables, qui peuvent être répliquées ailleurs pour d'autres îles dans le monde, pour d'autres endroits au Québec. Fait que je nous vois vraiment comme une plateforme où tout peut se passer, les gens peuvent se concerter, la recherche peut être là, mais c'est peut-être plus facile d'organiser tout ça que dans un grand territoire, par exemple. Peut-être qu'un jour, on devra quitter. Des fois, j'ai cette question-là. Les îles, dans combien de temps ça va disparaître? Personne ne le sait. Mais ce qu'on veut surtout, c'est rester le plus longtemps possible ici, en étant confortable, en étant en sécurité, puis pour pouvoir se sentir en sécurité, il faut aussi prendre soin de notre environnement ici.